La sape, vraiment, tu es vraiment le meilleur, le roi des couleurs. Et surtout quand je mets mes couleurs, vraiment, c'est là où c'est formidable. Dans mon quartier, il y a ceux qui m'appellent le dieu des habits, le dieu de la sape. Mais c'est ça, un sapeur, il faut avoir les différentes tenues. Un sapeur, tu peux avoir une seule tenue, non. Il faut avoir les différentes tenues pour créer un peu l'harmonie, l'ambiance des habits, c'est ça. Hein, pour beaucoup réfléchir, il faut avoir beaucoup des habits et beaucoup de paires de chaussures, c'est ça. Un sapeur. Il ne faut pas que tu sois monotonie, il ne faut pas que tu sois que... On m'appelle Elalim Bemba Lié. Je suis sa femme, la mère de ses enfants, de ses deux enfants-là. Comme lui il vendait des habits. Hein, lui, quand il était petit, il vendait des habits. Il venait me vendre des habits. Parce que moi, j'aimais m'habiller. Tu vois? Bon, j'étais pas, en ce moment, j'avais pas un mec, j'avais pas un monsieur. Lui m'a dit qu'il m'aimait. Comme si je dis, Maxime a. Beaucoup, hein, il y avait beaucoup de filles qui voulaient de Maxime. Hein. Lui, il a préféré faire des enfants avec moi. Donc, hein, je trouve ça chez moi, donc il m'aime. La paire, là, c'est du Weston. Hein. La paire, c'est du Weston. Ça va dans les... Bon, c'est cher, hein, à Weston. Je l'ai acheté parce que, comme un sapeur, c'est celui obligatoire. Il faut avoir une paire de Weston. Mais j'ai économisé l'argent pour acheter ça parce que j'ai fait presque 2 ans. 2 ans pour acheter ça. Ouais, normalement, la paire là, bon, si vraiment je ne l'achetais pas, je voulais acheter ma parcelle. Mais moi, en tant que sapeur, en tant que reconnu en même temps, donc, pour garder ma dignité, ma valeur, il fallait que j'achète la paire. Là. Quand il y a une invitation, là, on l'invite, il sort toujours en retard. Parce que lui, il prend son temps pour s'habiller. D'autres personnes croient que, ah, pourquoi lui fait ça? Parce qu'il est meilleur. Non. Parce que lui, vraiment, il prend son temps. Et puis, ça m'énerve à la fin. Ça lui prend beaucoup, vraiment. Plus d'une heure, hein, même deux heures. Vraiment. Il prend du temps. Tantôt il dit, toi tu peux partir, hein, moi je viens après toi. Il dit, moi je viens après. Après la Deuxième Guerre mondiale, nos anciens combattants, de retour au pays, bon, comme quand ils étaient en France, ils étaient de retour, avant qu'ils soient de retour au pays, ils avaient acheté des habits. Ils achetaient des habits, des chaussures, des cravates, des chemises, tout ce qu'ils avaient acheté. Bon,
chaque dimanche pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils viennent se retrouver pour faire voir que moi je te dépasse. Parce qu'eux tous avaient des habits. C'est là où ils ont commencé à dire la sape. Bonjour, je suis Elvis Makwezi, auteur du dictionnaire de la SAP. Eh bien, je vous souhaite bienvenue au Congo-Brazzaville. Et ce fleuve Congo, c'est celui qui sépare le Congo-Brazzaville, où nous sommes, mais avec la République démocratique du Congo, ou RDC, ou ex-Zaïre. Et ce fleuve, c'est le fleuve Congo, où nous venions nous baigner, et certains de nos aînés traversaient ce fleuve à la nage. Voilà en gros. Et là-bas, c'est Kinshasa. Et ici, c'est Brazzaville. If you can take a... Qu'est-ce que vous voulez dire par la tenue? Blanc. Ouais, attention à la poussière. In general, the sapper don't take the false, fake thing, because if you put fake thing, everybody will know. La SAP est reconnue sous l'appellation Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais en fait, c'est une société de gentlemen qui est une manière d'être, de se comporter et de se vêtir. Je m'appelle le Contrao de Pereira, sapeur à dimension exponentielle. Les tenues les plus chères, à part Kenzo, hein, y a Giorgio Armani, y a veste de Yves Saint Laurent. Où je suis, je m'appelle Bakutuka, le nom que j'ai hérité de mon père, et les prénoms Patriali, Carly, Teddy. J'ai mis un Dakar Kenzo, Mad in Italy. Kenzo, bon, et la paire que j'ai mis, c'est une paire Weston, hein, la nouvelle série, nouvelle collection. Ils voient ce que je mets, mais la valeur, ils ne comprennent pas. Parce que je ne peux pas dire sinon que c'est tellement des sommes énormes, les gens ne seront pas contents. Pour les habits, c'est sans limite. Bon, ce qui me plaît, ce qui me plaît, j'achète. Ça, c'est Brazza. Là où nous sommes, c'est précisément Bakongo. La zone sud, c'est ici, c'est dans cette zone. Là où il y a beaucoup de sapeurs, c'est dans cette zone où on parle plus de la sape. Donc, tout le monde vient s'exhiber ses habits et tout. Mais samedi, dimanche, c'est les retrouvailles. C'est là où il y a les concurrences, c'est là où les gens vous voient exhiber les habits, voir ce que tu as mis, hein? Voir en fait la façon dont tu es élégant, que tu es beau, des trucs comme ça là. Non, en fait, c'est d'abord la beauté des habits et le prix. Mais le prix aussi, pour savoir un peu le prix, c'est un peu caché parce qu'il n'y a même pas des étiquettes. Mais il y a ces gens, les connaisseurs, qui maîtrisent un peu les habits, qui connaissent un peu la valeur des habits, dès que tu mets là, les gens sauront que vraiment c'est ça. Je suis Monsieur Séverin Muyengo. Séverin Muyengo, le salopard de la sape. Tous les sapeurs, les grands sapeurs, me connaissent. Me connaissent non pas par la vulgarité, n'est-ce pas, mais par la bonne façon de faire. Et c'est par rapport, n'est-ce pas, aux attitudes que j'ai.
Maintenant, les habits, il y en a. Les habits, il y en a. Tout ça, c'est des habits. Tout ça, c'est des habits. Tout ça. Tout ça, c'est des habits. C'est des habits. C'est des armes, ça tue. Ça tue. Ça, c'est tout ça pour les pochettes. Là, là, là. Bon, maintenant, avec l'arsenal comme ça, comment vraiment on peut manquer un réglage? Bon, maintenant, les cravates, c'est tout ça. Tout ça, tout ça. Est-ce que vraiment on peut manquer un réglage comme ça? Oui, bien, je prends le crédit, comme je suis fonctionnaire. Je prends un crédit rien que pour les habits, depuis que je fais la SAP. Ça fait ça fait 4 fois déjà. La première fois, j'ai pris 8 millions. 8 millions. Et j'ai pris 6 millions. Et puis j'ai pris 7 millions 500. Tout ça, rien que pour les avis. Je vais en banque, je prends un crédit et j'achète. Nous avons des sœurs, nous avons des enfants. Quand ta sœur là-bas au village va apprendre que tu as une chaussure seulement, qui est au contact de la terre, tu vas donner 3 500 000 pour ça. Alors que ta sœur là-bas souffre, pour avoir de l'argent, il faut qu'il parte au champ. Et n'a rien, tu ne donnes rien. En apprenant ça, elle sera contente. Elle va te maudire. Je ne dis pas, ben, que voulez-vous, ben. Sinon, c'est pour frustrer un peu la famille, quoi. Mais enfin, c'est 3,5 millions. Vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Hein? C'est-à-dire que je me sens comme étant le plus riche. Je me sens comme étant le plus riche. Parce que quand je suis là-dedans, partout je passe. Ah, Séverin, ah, Séverin, ah, Séverin. Mais moi, là, je suis comme aux anges. C'est là aussi que j'avais créé mon ONG. J'avais dit non, sapeur en danger. Non, c'est ce que j'avais dit, sapeur en danger. Sapeur, il est en danger parce qu'il s'est sacrifié la vie pour l'amour du prochain, pour la beauté, pour la culture. Mais à la fin, il ne gagne rien. Champion Pipa! Pipa champion! Champion!